Nous voilà avec MV qui se détend la prostate de Yoshi et Bifrost qui est de retour. Oui. Voilà, alors encore à peu près moins d'une heure après vous retrouverez MPSTP avec Yoann Verdi bien évidemment. Ah, il fait MPSTP de chez lui en mode Romano, c'est de ça. Sa maison. Avec sa grosse webcam et sa réelle de fou. C'est sa grosse webcam. Et nous avons toujours Yamato qui nous a rejoint alors qu'il est passé du côté clair. Oh, j'en avais marre depuis qu'on s'est en régie. Hein. Ah, c'est ça. Bon, ça va. Oh, mais il y a plein de sièges, est-ce qu'on peut interagir avec ça? Moi, j'avais 5 heures que je bouffe votre jeu là. On peut pas les bouger. On peut marcher dessus. Est-ce que tu peux tirer dessus? Attends, est-ce que je peux m'asseoir dessus? C'est un peu les ambiances Deus Ex. Alors, il y a quoi? Il y a du minerai là-bas. Alors, il dit pas que c'est un truc de commerce, sauf qu'il y a juste une putain de machine qui doit tout gérer, à mon avis. Voilà, si les gens voulaient une ville, ils sont servis, je pense. Ah, la matrice d'approvisionnement. Alors, formidable. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis parti? On a découvert l'eau. On a cherché pendant une demi-heure comment entrer dans une plateforme sous l'eau. Sauf que ça servait à rien. Mais la végétation aussi alors. Végétation sous l'eau. Alors c'est marrant, c'est qu'en fait la planète avait quelques bestioles, mais il n'y avait aucune plante. Par contre, sous l'eau, t'avais masse truc. C'est assez bizarre. Alors du coup, vu qu'on a trouvé plein de technologies, non, je ne pourrais pas essayer de créer des nouveaux trucs, tiens. Ce serait bien que tu fasses une nouvelle arme parce que t'as la même depuis le début du jeu. En fait, on peut l'améliorer. Malheureusement, on n'a pas trouvé de nouvelle arme encore. C'est un peu le problème. On est toujours sur notre vaisseau orange dissident. C'est ça. Le vaisseau sponsor orange. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? C'est des trucs qu'on peut créer. On peut faire les espèces de puces qu'on nous propose depuis tout à l'heure. Des puces qui vont être piratées. Alors, je sais pas quoi ça sert de pirater, mais depuis tout à l'heure, on peut essayer d'en faire. Faudrait qu'on trouve du plutonium pour ça. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Du polonium. Alors le truc qu'on pourrait faire, on va être transféré, c'est de créer un truc avec ça. Alors on va voir vite fait ce qu'on a là. On peut créer un rayon phasique. Un rayon phallique. Et est-ce qu'on peut décider à un moment, de laisser prospérer une race ou de l'éradiquer? On peut essayer de l'éradiquer, mais après je pense que tu te fais chier pour rien quoi. Mais tu peux essayer d'éradiquer genre les geeks là. Les guerres, ah, mais carrément, carrément la race. 18 quadrillions de planètes. Moi, je parlais pas des kangourous, toi. Ouais, je parlais pas d'une extinction animale. Attends, il y a un mec là. Ah, c'est encore les mecs qui trippent sur leur liseuse en descente de Skénan. On a découvert le mot s'il vous plaît aussi. S'il vous plaît, rappelez-moi ces temps. Alors, on a Corvax, donner du commun, du peu commun. Ouais, on va lui donner ça, il va être content. Ah, on peut pas, on n'a pas assez. Ah. On n'a pas assez, merde. Il est en train de lire Fifty Shades of Grey sur sa liseuse. Oh non, t'es sérieux? Si. Mes désirs sont en général, non conventionnels. On trouve des armes sur les murs, des abris où sont les PNJ. Et ça coûte cher à moins de se faire des crédits grâce à l'encyclopédie. Est-ce que si on tue le mec, on peut récupérer ces objets? Wow, kill the guy. L'estime que porte... Oh là là. Oh, tu t'es froissé avec les Corvax. Non, ça c'est son truc, est-ce qu'on peut l'interagir avec? Saloperie. Tu peux l'acheter peut-être? Moi je propose de les dépecer. Et de s'en faire des manteaux. C'est un analyste des échos. Alors, quand est-ce que tu nous fais... Ah ouais, j'avoue. Quand est-ce que tu nous fais un out of bounds sur le jeu? Ouah, tu lis 3 les millions. Les échos? On a essayé de faire un nouveau. Moi je lisais l'écho des savanes quand j'étais adolescent. T'as connu ça? Bah ouais. Putain, ce vaisseau est... L'écho des savanes, mon gars, avec les BD de Manara dedans. Mais on a déjà fait un OB tout à l'heure. Ah oui, j'ai vu. Dans le monolithe. Oui, en mode suppositoire. Est-ce qu'on peut le tuer? Il n'y avait pas eu un écho de ça de mouille. Bon, on fait quoi? Est-ce qu'on tente de le buter? Oui. Il a un petit air du héros dans Dead Space. Ça parce qu'il a une lumière bleue. Mais non, mais aussi parce qu'il a la colonne vertébrale mécanique. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de Outzer dans le jeu. Bah, c'est Outzer en 3D. Hein. C'est Outzer, c'est... Ah, on peut pas tirer dessus, regardez. Je peux tirer à côté. C'est là où Outzer avait tous ces aspects-là, mais on avait gardé l'essentiel. C'est PlayMV à droite. On avait gardé l'essentiel. Ah, il m'a appelé PlayMV, je suis démasqué. Merde. On avait gardé l'essentiel, et bien là, on joue tout. Un porte-bonheur geek. On joue tout. Et je ne sais pas si c'est mieux. Mais non, à droite, du coup, il parle de Bifrost. Putain, on t'a fait... Ah, c'est moi? C'est toi, PlayMV. Ah, cool. Ouais. PlayMV, c'était moi depuis... PlayMV, on t'a démasqué. Enchanté. Ah, salut Kelly, 27 ans. T'as des nouvelles d'ailleurs de PlayMV? Comment va-t-il? Il va très bien, il te salue. Ah, il aime beaucoup tes streams. Il va en faire moult VOD. Il va en faire moult VOD. Ça tombe bien, je cherchais quelqu'un, j'avais la flemme. Moi aussi, je cherche quelqu'un, mais j'ai envie de le payer. Mais c'est pour faire des best-of. Ah, bah PlayMV, il est présent, non? Ah non.
PlayMV, si tu nous écoutes, il y a un appel d'offres qui a été lancé. Non, il en a trop fait. Non, la confiance est brisée entre nous. Je le relaxe. Ah, tu le Lewellise. Je le relaxe. Tu le Lewellise. Ah. Ça, je le Lewellise. Je le Lewellise. On a nommé une planète en hommage à Lewellise. Ah oui, c'était quoi? Lewellise. Ah oui, c'est sale un peu. Une perle de fascisme. C'est dans l'esprit de connivence. C'est l'esprit canal plus, qui nous caractérise. L'esprit canal des années 80. Tu vois, l'esprit canal avant Bolloré, toi, c'est un peu ça, tu vois. Complètement edgy et second degré. L'esprit webédianal. Ouais, webédianal. C'est quand la prochaine chanson, MV? Ah, c'est imminent. Déjà, si je te file les paroles, tu chantes? Ah, non. T'as ton HLM, c'est ça? Oui, j'ai mon Twitch channel. Ah, mais je suis auteur-compositeur. Oh, tu peux bien faire interprète. J'arrive pas des fois à chanter les textes des autres. T'es juste un flemmard de merde. Oh là là, les mots sont employés. Non, alors, les chansons reviendront évidemment quand. Quand tu seras un dé. Pour le Toll 2. Pour le Toll 2. Pour le Toll 2, il y a une belle chanson d'ouverture qu'il prépare grâce au soutien logistique de Zerator. Le Tears of Legend 2 va se dérouler dans la grande salle du Grand Rex. Bien sûr. On va faire salle close, hein. Un guichet fermé. On a entendu de la musique de 65 Days of Static. Alors là, le but, avant la fin de ce stream, c'est de trouver un autre vaisseau, par tous les moyens. Et un moyen, on peut essayer d'en acheter, le truc, c'est qu'il faudrait récupérer masse ressources. Il suffit d'en trouver un planqué sur une planète, un mec qui s'est posé. Idéalement, tu peux pas le piquer, par contre, tu peux le racheter. Ah ouais. Genre par contre le vaisseau de bâtard qu'il avait, les 36 000 trucs, c'était du genre à 3 millions. Ah ouais. Ah oui, il rigole pas. Ouais, parce que ton vaisseau pourri, il a commencé à nous saouler. Hein. Est-ce que je t'ai passé sur le stream de Man vs Game et il me semblait que il en avait trouvé un. Bah du coup, à l'abandon. On va enchaîner les trucs, on va essayer de trouver des planètes. Ouais. C'est quand le Toll 2? Les viewers réclament. Oui. Prends Paris-Bercy directement. Je sais pas pourquoi tu le Tears of Legend. Les viewers n'ont pas forcément raison, il faut le savoir. Écoute, moi je pense que. Il y a c'est un monolithe ça. Paris-Bercy. Mais oui. C'est quoi à ça la fin, c'est un monolithe. On se suce le cul. Bien sûr. Ah, il y avait. Il y avait un monolithe. C'était pas un monolithe, je crois que c'est un truc pour les ressources. C'est le truc oui, qui non, c'est de la ressource. On va scanner un petit peu pour voir. Ah voilà, on a quand même des palettes de couleurs un petit peu moins débiles que tout à l'heure. Ouais, mais justement, c'est un peu plus chiant, tu vois. Ouais, tout à l'heure, ça faisait mal aux yeux quand même. Ouais, mais j'aime bien. Avon. Mais j'adore les néons, moi. Je pourrais brûler mes yeux sur des néons pour le plaisir. Non, c'est pas normal, Carrie Bourgeois. Ça ressemble à un crâne. J'ai jamais vu ça, personnellement. Ah, il y a une espèce de crâne, là. Attends. Ça m'intéresse, d'ailleurs. Ah, il y a un truc, là-bas. C'est quoi, ça? Arriver. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est bizarre l'effet granulé comme ça, ils vont dire que c'est un parti pris mais c'est juste dégueulasse en fait. Oh, une texture au sol. Ouais, c'est là, l'obélisque. Il y a des clippings un peu bizarres. Bah, c'est une transition PowerPoint déguisée en clipping. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Non, après le jeu il a une belle gueule comme j'aime bien, c'est simple, c'est doux, c'est reposant. Ça se mange sans fin. Oui c'est ça, mais en fait typiquement ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est un jeu pour streamer, c'est-à-dire que c'est un jeu auquel tu vas jouer. Et pendant ce temps-là, tu vas dire de la merde avec tes viewers, on va discuter, ça va être un moment d'échange avec ta communauté, et ça, c'est un fil rouge, exactement. C'est un bon fil rouge. En fait, ça serait un meilleur Yepa Shiny, en fait. Voilà. Là, c'est ça. Oui, je pense que c'est plus intéressant que de chercher des color swaps de Pokémon. Ça parle mal. Alors, vous avez pris le mot élevé en Corvax. Même Bifrost, il est d'accord avec moi là. Ah non, mais moi les Shiny, je comprends pas donc. Voilà. Mais il faut les tuer les Shiny. C'est intéressant dans Pokémon, c'est le PVP. Ouais, moi j'avais tout baisé dans ma cartouche pour qu'ils soient tous Shiny, je les avais à l'appel. Ah merde, les gens ne comprenaient pas, mais c'est tout. J'ai l'intérêt, sinon j'ai du mal. C'est ça, c'est un bon guac à sable. Un bon guac à sable. Dommage qu'il soit pas multijoueur, parce que je pense que karaté sur ce jeu rendrait fou plus d'une personne. C'est quoi le truc là-bas? Du coup, ça passe pour guac à sable, mais ça peut pas être un guacking live. Du coup, voilà, ça passe. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Et c'est ça le problème, c'est que dès que tu vois un peu foutre la merde, la 3ème place du Toll, avec Zlooby. Jamais Zlooby il a déclaré. Non, reviens là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce plan est déjà connu. Ouais, t'as réussi à l'attraper, quoi. Le chargeur de foudre. Bon, il y a d'autres bestioles qui devraient arriver. Mais oui, c'est vrai que ça fait un peu... Oh. Le jeu... Reviens. Le jeu du chat. Ah bah tu voulais de la physique, en plein de incroyable, physique. Oh là là. Et finalement, voilà, retour aux sources, on joue avec un tonneau.
On dévale la montagne. Ça marche, Carrie. Putain, la fumée est dégueulasse, quoi. J'avoue. La smoke machine. Grosse ambiance. C'est quoi, c'est du fer? Le concours t-shirt mouillé est imminent. Est-ce qu'on peut tout casser comme ça, attends? Je vais tout casser! Mais c'est vrai que avec l'update 1.03, genre la taille de la map, elle a été agrandie et tout. Avec le patch avant de la sortie. Oui, le patch Day One avait l'air d'être riche en contenu. Ouais, ça va tellement plus vite comme ça. Merde. Casse-toi. Comme quoi, tu chantes d'autres chansons que les tiennes, hein, au final. Bien sûr. Je te sens bien pour un Gabriel, moi, de Johnny. Gabriel. Nouvelle attention. Mais non, mais moi, j'ai une magnifique détournement de Renault dans mon HN qui devient mon Twitch Channel. Ouais, mais ça fait. Enfin, tu termines ta chanson, ça fait des années que t'en parles. Ça fait. Tu as dit non parce que t'es un gros flemmard de merde, c'est tout. Ah, mais c'est bien pas sûr. Un vrai ami en même temps. Non. Il y a toujours cette distance entre lui et ses proches. Il est trop mystérieux. Ah, on peut avoir une phase d'action pour qu'on puisse se faire une idée de ce que je t'ai donné. Ben voilà, vous êtes en plein dedans. Regardez bien. Regardez bien le feedback hallucinant sur les tirs. Tchou, 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 tchou. Putain, mais c'est la guerre des étoiles. J'avoue. C'est la guerre des étoiles, en vrai. Tchou, tchou, tchou. C'est dommage qu'on puisse pas avoir un petit... Ah, tu te fais niquer, là. C'est 3 PO insupportables. Ah, tu te fais bien niquer. Voilà. Ah, mais c'est très efficace en fait. Bah, c'est une grenade en fait. Le truc, c'est qu'il faut bien. Oh putain! Le truc, c'est qu'il faut bien viser, ça le problème. Intensité, ce plan est déjà connu, ok. En fait, si tu veux, j'en bats les couilles. C'est dur, en fait, je fais R1. Et tu vois, ça fait un tir en cloche. Attends, bon, je recharge. Et tu vois, le truc, c'est qu'il faut bien prévoir. Donc, faut faire gaffe parce que ça terraforme le sol, c'est un peu l'ennui. En même temps, vous êtes sur PS4. Ah oui! Moi, j'ai hâte quand même d'y jouer éventuellement sur PC, ouais, sur PC en stream. Pareil. Pourquoi pas? Alors du coup, chercher du plutonium à la base avant que je me fasse agresser par des... Z6 PO, tout à fait. Putain. En fait, il n'y a pas de plutonium. Merde, je me suis fait baiser. Attends, il y a un truc là. Je suis en train de me perdre. Le vaisseau est à 3 km. On va faire un beau film. Une anthologie de 24 minutes. Oh, du plutonium, en voici. Paf! Je vais apprendre la manette après. Yamato. Oh, je veux pas toucher à ton truc, moi je regarde. Oh, y a un truc, y a plein de trucs là. Oh là là, c'est très efficace. T'as des coffres. Faut balancer une bombe là. Ouais, mais le truc c'est que là j'ai plus de place dans mon inventaire. Ah là, faut consommer. Bombe. Est-ce que je peux déplacer ça? Du petit avion. T'as du petit avion dans ton inventaire. Oh, non. Ah oui, alors beaucoup de gens whinaient. C'est le truc que j'ai le plus vu sur tous les streams, même internationaux là, sur le FOV. Ouais. Le FOV, le field of view. Non, mais je pense que les gens se focalisent trop sur le field of view. Et ils continuent à croire que c'est Quake World, No Man's Sky, là. Laissez le jeu tranquille sur le FOV, on s'en fiche. Non, mais c'est vrai que quand même, on passe beaucoup de temps à tourner la vue parce qu'on a un truc à côté. Laisse-moi troller, s'il te plaît. J'ai trouvé ça. Laisse-moi troller. Désolé. Non, Yamato, non. Pas de ça ici. Ça un peu limite. Pas de ça ici. Peut-être. Tu fais ça sur le JDH. Sur le chat que je suis premier degré. Fais ça sur le JDH, c'est fait pour ça. On me colle une réputation de mec premier degré, c'est pas bien. Ah, y avait les gens qui sont allés sur la même planète pouvaient même pas se voir. Non, j'avoue qu'une petite custom du FOV, des textures un peu plus fines. Bah, une version PC. Distance de vue à perpète et 60 fps et on est bien. Clairement. Sur PC. Sur PC, quoi. Bah, évidemment. Tu veux une version PC, c'est que tu veux, en gros. Ça. Bah oui. D'ailleurs, je sais pas à qui l'envoyer pour la demander, en fait. Et qui a envoyé un mail pour l'avoir gratuitement. Ah. Pareil, moi, je sais pas. Je sais que Sony s'occupe de la version. Putain, il y a encore des. Ouais, moi, je fais pas ça. Faudrait attendez. C'est moi ou dans la transition du menu, il y a écrit l'oreille Ipsum partout même. Bonjour, je suis Mister MV. Piou. Je suis vraiment intéressé pour. Et donc en faire la promotion. En travaillant quotidiennement auprès des plus grands tels que Squeezie, Hugo Posey. Je vais pouvoir enlever. J'aimerais diffuser votre jeu. Bon, pour la modique somme de. Ah, j'avoue, mais oui en plus. T'as streamé du Outzer toi? J'ai streamé du Outzer moult fois. Ah. Tu l'as jamais vu streamer du Outzer, sérieusement? Grand jeu. T'en es où tes projets d'ailleurs avec. Fibre Tigre. Ah là, c'est en suspens depuis longtemps. Il y a eu trop de merde IRL entre temps. Mais c'est quand même dans le tuyau, ça va sortir un jour. Avec le Toll 2. C'est dans le tuyau digestif. Ouais. Ça sent incroyable, n'empêche. Hein. Ah ouais, on attend ça avec impatience. C'est quoi ça? J'espère que tu feras une annonce fracassante à la rentrée. Avec une chanson. Je vais la vendre à Webedia. Sérieusement? T'es sérieux, mon gars? Non. J'espère bien, putain. Sinon, je te frappe avec Yoshi. Ça serait excellent. Ah oui, ce serait génial.
tu pars en Indé, paf, tu vends l'OPR. Et je vous vends un concept de mission. Souvenir du bon vieux temps. Non, alors là, quand même... Il fera le MJ avec son HP Spectre 360. Revenons à nos moutons. 5% de système de survie. Là, t'es dans la merde. Oui, là, je suis dans la merde. Là, t'es dans... Mais il n'y a pas un système pour se téléporter à l'avion ou... Non. Et puis quoi encore? Oh putain, mais il y a 36. On va se casser cette planète de merde. Elle est où la barre de système de survie d'ailleurs? Oh là là, c'est voilà. Le truc avec le. En fait, c'est la barre blanche en bas à gauche. Les sentinelles, c'est un peu les étoiles de flics dans GTA, quoi. Tu commences à te faire chier et puis ça devient l'enfer. En fait, le truc, c'est que. Sur cette musée, ça devient l'enfer. En fait, sur la planète, en fait, elles sont hostiles de base. Ce qui fait qu'on peut. Quoi que tu fasses, elles t'agressent, quoi. C'est un peu les emmerdes. Ah, c'est bon, sauvé. Tu pourras vivre un autre jour. Pour aller ramasser du fer sur une autre planète. Oh putain, me dis pas que je peux pas. Il esquive les questions sur son avenir, pas du tout. Ah. Non, il a juste pas envie d'en parler devant 2000 personnes et de se... Hey, tu streams ce soir? Ah, les vraies questions. Ah, il y a du plutonium là. Et après, je vais laisser MV jouer un petit peu. Hey, est-ce que tu fais du Isaac ce soir? Hey, pss, pss, pss. Attends, c'est super important là. Je crois qu'on a trouvé du polonium. Des champignons hallucinogènes. Non mais ouais, ça a l'air d'être le bon jeu pour chill out. Quoi. Exactement. C'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Enfin, je pense que c'est... Moi, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir développé un moteur... Ah merde, c'est du fer. De génération procédurale aussi balèze que ça, et d'en faire au final un truc qui, pour l'instant, est juste chill en fait. Il y a tellement de potentiel en fait dans ce Après, truc. Après, c'est peut-être juste pour... C'est peut-être voilà, pour ramener du cash. Non, mais à mon avis, développer un vrai jeu. À mon avis, it is just the apéritif. Hein. Le jeu, il est amené à évoluer, clairement. C'est un mélange de Out There et de Flower. Flower, quand même. Flower, t'es un peu fumé de l'herbe, là, non? Oh putain, mais il y a quand même Sentinelle. Respectez Flower, ok. Puis, ah oui, ça, j'ai pas sorti de jeu depuis 4 jours. Ça fait cher, 60 balles pour chill out. Non, mais moi, j'aimerais bien qu'il rajoute d'autres trucs. C'est vrai que 60 balles, petit jeu indé. Non, mais t'as pas ce problème. Ouais, mais petit jeu. Du coup, il est plus vraiment indé de facto. C'est à partir du moment où il est quoi? Il est édité par Sony ou pas? Sur PS4, je crois. Je sais pas si c'est vraiment édité, c'est de l'aide. On va dire qu'il est. C'est un jeu indé sur PC seulement. Ah. Sur PC, on peut y jouer sur la rétro indé. Ah, mais oui. Sur PS4, on peut pas. Parce que sur PS4, Sony a donné un chèque. Et là, on peut pas streamer sur la rétro indé. Quel prix aura-t-il sur PC du coup? Pareil. Ah, ils s'en foutent, ils savent que ça va se vendre. Bah oui, pourquoi ils se priveraient? Mais clairement. Mais après, ça fait quand même plus un moment qu'ils sont dessus, quoi. Ça se comprend, quoi. 3-4 ans de développement là-dessus. Ah bah j'avoue. 3-4 ans pour éliminer du fer sur des planètes un peu vides avec des bestioles générées avec le moteur de sport. Il y a quand même, voilà. Nous n'avons gratté que la surface. Si jamais. Oh bah vas-y, va gratter encore plus le sol. Si jamais. Ah, Panta a dit qu'après. Tiens, voilà, va gratter le sol. Ah tiens. Tiens, ah merde. Tu veux? Moi je prends Yoshi. Vas-y. Ah allez. Moi, je laisse les experts faire. On va garder Yoshi. N'abusons pas. Mais nous n'avons que gratté la surface. Que se passe-t-il quand nous aurons accès au Millennium Focus, par exemple, comme vaisseau? Que se passera-t-il? Millennium Focus. Que se passera-t-il? Excellent vaisseau. Si on le vaisseau le plus rapide de l'univers pour ne pas payer les Si on développe toute technologie, que se passera-t-il quand on arrivera, par exemple, à dire Valéry Giscard d'Estaing en geek? Oh! Parce qu'on ne sait pas encore. Je vous demande de vous arrêter, monsieur. Non, ça, c'est Balladur, ça. Oui, mais je vous demande de vous arrêter. Tu fais au revoir. Au revoir. Non, voilà. Un petit air d'accordéon. C'est ça. Ah, aussi. On l'oublie un peu trop souvent. En insinuant que tu as un peu tripoté les Lydies au passage. Ah bah. C'est ça. Mais on ne sait pas, du coup. C'est une OPSP. C'est une OPS passion. Voilà. Que va-t-il se passer avec les autres races? Quelle est la finalité? Bah si, on le sait, il y a déjà des gens qui l'ont fini, il y a un endgame. Il y a un endgame qui se boucle en une quinzaine d'heures apparemment. Quinzaine? Ouais, il faut en fait, si tu fonces droit en ligne droite pour aller pirates. Au centre de l'univers... Je crois que tu vas crever, voilà, Bifrost. Fini le jeu. Ils veulent me biaiser. Moi je te dis casse-toi, ils sont deux. Hein. Non mais après est-ce que c'est un jeu vidéo? Tu vois, est-ce que c'est plutôt une expérience interactive ou une connerie du genre de hipster? Ah. Alors, je vais te calmer Yamato, c'est interactif. C'est très bien les expériences narratives. Non mais là, c'est pas narratif, là, c'est une expérience tout court, il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'histoire. Mais si. C'est une expérience interactive. Dans ce cas-là, Dark Souls, il n'y a pas d'histoire en Dark Souls. Oh my god. Si. Bah non. Si. Bah non, il y a une histoire dans Dark Souls. Ah bon? Elle est juste tellement incompréhensible que t'as l'impression que le mec, il était bourré sous drogue dure quand il a pondu. Mais ça se trouve, c'est le même qui a fait le scénario de ça, on sait pas encore. Mais il n'y a pas de scénario là-dedans. Non, on sait pas. Tu t'as trouvé des PNJ qui te racontent leur life? Tu trouves les bribes? Si. Tu trouves des monolithes? Bien entendu. Ah, oui, des monolithes qui racontent un peu d'histoire et tout. Et oui. C'est un jeu d'histoire galactique.
Vas-y, fais l'un R1 et va à la station, ça pue la merde. Tu vois, c'est un jeu, ce jeu, c'est un peu l'organic foot de la PS4. Ah, mais ça met une heure. Ah, mais ça tu met une heure. Tu vas acheter ta copie avec ton PC, avec ton MacBook dans le sac à dos derrière. Avec ta belle barbe, dans les rues du Bronx. Voilà. Voilà, ça c'est mon expérience pour aller acheter. Et là, je sais pas dans quoi tu t'es engagé. Là, il n'y a pas de flics par contre. Là, on se fait agresser. Je sais de quoi je parle. Les flics sont pas là. Non, mais attends, casse-toi. Fou. Ma bite est un monolithe. Ma bite est un monolithe. T'as un 2 contre 1, c'est dégueulasse quand même. Vous avez renommé des planètes, j'espère. Oui. Surtout Risotto. Ah. Il y a une planète IGN France. Oh, elle est aussi. Oui, non, c'est là. Un système. C'est un système. Putain, j'aimerais tellement appeler un système Michel Pimpant. Non, mais ne tombez pas dans le troll sur Dark Souls. Gigaetienne était un joueur de Dark Souls. Il était d'ailleurs très triste de ne pas être présent au marathon le week-end dernier. Et je pense qu'il va falloir faire un deuxième marathon pour qu'il soit là. Ouais, on fait ça la semaine prochaine. Allez, je suis chaud. Allez, on ramène Isangouen. Il pensait être tranquille. Ah. T'en as baisé un, je crois. Est-ce que tu peux mettre un petit time-out à Funky, s'il te plaît? Oh oui, on peut faire ça. Ouais, merci. 10 minutes, la base. Oh, c'est à lui de se taire. Je trouve que t'es sympa. Le but, c'est plus un ban direct. Hein. Non, il a dit chute STP. Ah, ok. Il y a le STP, quand même. Il a dit chute STP. Ah, petit avion. Formidable. Les barbes. Et là, c'est un petit on va mourir. Oh. T'es mort. Comme Nintendo, voilà. Ah, mais du coup, on a tout perdu, là. Voilà. Comment ça? Si, il faut tout récupérer, là. Hein? Quoi? Ah non. J'ai tout baisé. Et voilà, merci. Oh là là. C'est chaud, là. C'était sympa. Recommandation? Day one. Ah, je recommande, moi. Ah, mais il faut pas perdre, en fait. Mais oui, je signale le problème. Le jeu n'avait pas prévu que tu puisses perdre. Parce que moi, j'avais pas réussi à me crasher. Ah bah voilà. Mais de toute façon, c'est de votre faute, bande de hipsters à la con. Vous avez pas compris l'histoire du jeu, vous l'avez critiqué. Moi, ça me révolte. Il a rage-quit. Et le jeu vous la... Voilà. Le jeu vous fait payer votre dissidence. C'est le karma. Vous n'aimez pas les jeux indépendants. Je l'ai bien compris. Ça marche voilà, pas, quand c'est pas un Call of Duty, voilà, ça chiale, là. Bah, mais ça marche jamais. Toi, on va te mettre sur l'OPSP Call of Duty, là, le remake de Modern Warfare. Attends, je tu vas moins faire le malin. MW1 est un très bon jeu. Tu vas moins MW1. Tu vas te retrouver avec Mr. Lev 12, Inglorious Jojo et Gotaga, tu vas moins faire le malin. Ok, là, non. Mais MW1 est un très bon jeu. MW1. Ah. Sif. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Joindre la capture d'écran. Si tu continues à faire le malin. Oui. Voilà. Qui c'est qu'on peut te rajouter comme youtubeur Call of Duty? On te rajoute Kairi78. Je connais pas avec son drone cassé là. Ah oui, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui sont ces gens. Du moment que vous mettez pas David Lafarge, moi ça me va. Merci de me donner des bonnes idées. Merci. C'est incroyable, il n'y a plus de respect. Ah bah oui, non mais voilà. Non, mais au pire, je propose une OPSP David Lafarge Squeezie sur Watch Dogs 2. Ah, parfait. Ça me paraît honnête. Moi, j'avais fait un petit stream sur Watch Dogs 1. Le regard de Yamato. C'est pas trop une OPSP. Ça me paraît probable. Hein. Il était bien, mon stream sur Watch Dogs. Mais t'as pas été payé. Ah non, mais j'avais démonté le jeu direct. Ah bon, oui, du coup, ouais. On a perdu Yamato. Bah, il était vachement bien. J'ai aimé ce moment-là. C'était un très bon moment. J'imagine trop une OPSP Squeezie, David Lafarge et Jodo au milieu. Non, mais il dit ça, mais il signe direct. Hein. Mais grave. Il est là pour le pognon, moi, je disais, un comme moi. Moi je signe. Mais toi aussi. Mais bon, toi, ça nous permet de voir cette magnifique intro. Moi je veux chanter un générique de Pokémon. Je peux pas la passer Lafarge. Je sais pas. Ça va me faire pleurer, arrête. Moi j'ai envie de voir si je peux. Si j'arrive à extraire des larmes de cet homme. Alors on a une vraie question de Riku. Pourquoi MV encule Yoshi depuis tout à l'heure? C'est vrai. Alors est-ce qu'on a une réponse? Un besoin. Alors du coup, il faudra récupérer notre loot sur notre cadavre. Pas sûr, hein. En cas, ça a peut-être vraiment tout baisé. Ah, putain, non, me dis pas ça. Au pire, c'est bien, c'est que ce sera le Day One et plus jamais j'en toucherai au jeu, ce serait parfait. Alors, de qui parles-tu, Sévris? Ça nous intéresse. Ah. Je sens une certaine rage, une certaine envie de... L'envie d'avoir envie. Ah, c'est l'envie ça, notre d'avoir corps. Envie. Ah, l'envie d'aimer. Notre tombe. Nani Lovodi. Ce tombeau sera votre tombeau. Non, mais après, il faut avouer quand même qu'on a déjà eu 3-4 bugs. Depuis le début. Bon, le jeu vient de sortir, ça arrive. Souvenez-vous de Red Dead Redemption où j'étais. Il y en aurait accès de toute façon là, non? Alors non, je suis pas d'accord, Anders. C'est le framerate, il y a pas eu de. Il s'est 30 FPS constant. Hein. Ça a ramé un moment? Ça a pas ramé le non, jeu. Non, j'ai pas eu de. Non, j'ai il rame pas. Le ralentissement. Non, ça va. Il crache, mais il rame pas. Il crache, mais il ne rame pas. En même temps, ouais.
La distance d'affichage étant ce qu'elle est, ça serait dommage s'il y avait des grosses fuites de framerate en plus. C'est évident. Mais bon, voilà, il va y avoir des patchs. Mais non, mais c'est sympa. Alors, Nio de YouTube, alors c'est vrai que Nio du. Bah, c'est un vendu à l'espace. Nio de YouTube, temps. Voilà, tu lui donnes un vaisseau spatial, c'est bon, le jeu c'est 20 sur 20. Mais il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Parce que c'est vrai que oui, Elite Dangerous, c'est génial, mais c'est l'infini, l'au-delà, ton vaisseau. J'ai pas vu comment tu changes de système, en fait, comme ça, là. Non, c'est pas le même système. Il se dirige vers une planète. Quand on change de système, par contre, c'est un temps de chargement. Oui. C'est même pas... Enfin, c'est clair. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, restauration de l'inventaire perdu, voilà, tout de suite. Bah voilà. On a tout récupéré. Wow, le... wow, wow, non, mais calmez-vous. Ça a gratouillé éclair, mais rien de plus. C'est un game over sans lettres, en fait. C'est, je pense peut-être que c'est comme Dark Souls, genre tu perds une fois et après si tu perds, ah, mais il y a encore les méchants. Bah en même temps, ah non, tu reviens là où t'étais mort, c'est normal. Ah, peut-être qu'ils étaient partis faire chier d'autres personnes. Ouais, et puis quoi encore. Voilà, merde. Je me casse. Voilà. Un petit... Ah non. Ah, mais ils ont dit nique ta mère. Ah, mais ils arrêtent, ils ont dit nique ta mère. Propulseur. Je crois qu'ils en veulent, ils en ont. Oh, je vais encore me faire baiser. Mais non. Ah, mais non, mais il n'y aura pas de réponse dans la planète. Va dans le système, go into the system. Va au... J'en ai pour une heure, est-ce que vous voulez mais non, vraiment... Mais non, LARR1. Mais là, il peut pas, les vaisseaux ennemis, ils perturbent le... Ah, l'inverteur. J'en ai pour une heure. Non mais t'es sérieux? Bâtiment ou meurt, enfin... Ah mais maintenant, ils sont trois. Faut que le jeu crache. Essaie de te poser sur un astéroïde. Il y en a un énorme, regarde. T'as vu trop Star Wars, mon ami. Attends, vas-y, on va tenter un truc de ouf. T'as un gros astéroïde, c'est jouable. Non mais vise la cible avec Olivier Mine. Faut que tu vises la cible, avec voilà Olivier. Pas la cible, pas le vaisseau. Ouah, oui. Ah oui. Ah, t'es bien. Ah, t'es bien, il brûle de mille feux. Ah, il est dans ton viseur, lui. Il est dans ton réticule. Fais le bouclier, tu vas mourir. Oh oui. Là, la musique qui est posée, en mode, tout va bien. Hein. C'est bon. On est bien, sauvé. Sauvé. Allez, sauvé par le gong. Les gâchettes, moult gâchettes. Ouais, le... Ah, c'est pas illatoire ce niveau barrel, hein. Ça sert un peu à rien là. Non. Est-ce que le jeu vaut 60 balles? Ah, on sait pas, ce n'est que le début. Ah, moi je pense que si vous aimez, si vous êtes dans le trip, il les vaut forcément parce que vous allez geeker à quelques centaines d'heures. Moi j'imagine bien Nio se poser sur une planète et commencer à dessiner les paysages. Voilà. Non mais c'est vrai. Nu, en écoutant la musique. Ah presque. Les yeux. En prenant quelques pauses des fois. Heureusement qu'on a beaucoup de TM et de fer quand même. Hein. Ah, il se met face au soleil pour que j'arrive pas à le voir. Ils sont malins quand même. Hein. Il m'a bien eu. Oh, il est quasiment mort lui, il est quasiment décédé. Ah lui il est baisé lui. Non? Oui. Du coup, je sens le chat un peu... Rien n'a été trouvé, non mais... dissident aujourd'hui. C'est une blague. T'as tué ça pour gratos, c'est honnête. Attention, le bouclier, c'est terrible, ça va... Ouais. Ça... C'est raisonnable. C'est raisonnable pour le charger, ouais. Ah, tu peux pas. Pourquoi? Il a fait. Ah non, il en manque peut-être. Ok. Ah là. L'accident. Vas-y, mets-toi bien derrière, voilà. Mais ouais, on peut... Moi, je voulais contenter le posage sur l'astéroïde, quoi. Moi je dis, il y a moyen de moyenner. Oh oui. C'est bon, tu vas l'avoir. C'est le dernier? Ouais. Oh là, tu joues un petit peu petit sexe. Voilà, il scalpe la mousse. Un boit. Petit peu petit sexe. Bah, ouais, mais bon, j'ai déjà perdu une fois. Après, ça va râler, ça va dire, hey, scandale. Vers le bas. Vous êtes vraiment nul, vous savez pas jouer. Essaye de te poser sur un astéroïde, c'est mort, maintenant. C'est maintenant. Ah, c'est bon. Et vous? L'ennui est procédural aussi. Ah, c'est la côte de mec. Attends, là, on s'y va là-dessus. La citation du jour. Ah, de l'or. Oh, c'est craqué. Voilà, voyez, c'est de l'or que tu mets dans mon cœur. Non, ça vaut pas 10 euros non plus. J'ai essayé, ça marche pas. L'étape de voyage qui te fait écraser contre le bagarre. Astéroïde. Ah, tout à fait, le Calypso. C'était du M6 Solar. Enchaîné avec du Jennifer, hein, quand même. Ah, il y avait du tout. Alors, les gens demandent, est-ce qu'on peut finir le jeu sans hyperpropulsion? Ah, si t'as 50 ans à perdre, ouais, je pense que tu peux. Ah, j'avoue. Hein. C'était un mec, il avait lancé Elite Dangerous pour aller vers le centre de l'univers en autopilote constamment. Je me rappelle pas par contre ce qui s'est passé. Et il est mort depuis. Hein. Je crois que son PC tourne toujours et on en a encore pour 3 milliards d'années. Hein. Ses enfants ont du coup hérité de cette tâche.
Bon, on a une minute pour discuter, donc... Alors... Est-ce que vous allez acheter le jeu 60€? Parce que bon, ça fait les mains, mais est-ce que vous l'achèterez? Peut-être sur PC, je vais le prendre, moi. J'attends de voir les tests sur PC, voir si c'est plus fluide, si le clipping est moins dégueulasse. Mais je pense que je vais me le prendre sur PC. Oui. Mais pire, pour streamer ou pour jouer? Streamer. Voilà, streamer et jouer. Streamer et jouer. Je pense que je vais demander à Trunks un... Voilà, la... Si on peut avoir un petit jeu comme ça, c'est ton jamais. Ah, d'accord. Sinon, pour tous ceux qui ont participé à cette émission, c'est non, bien ça. Je suis pas sûr, mais on peut essayer de négocier. Ah, on a quand même fait 2000 viewers pendant 6 heures. Je pense qu'il y a moyen de négocier un truc. C'est intéressant. Et toi, mais est-ce que tu l'achèterais si tu n'étais pas streamer? Ah, si je n'étais pas streamer, oui. Ah, mais moi, hors stream, je joue à très peu de jeux et ma rotation de jeu, elle bouge pas. Moi, j'ai plus. Je suis toujours au même jeu. Non, mais j'ai pas le temps, hors stream, ni l'envie maintenant de me lancer dans des jeux qui vont être chronophages. Maintenant, je joue énormément en stream et hors le jeu que je fais en stream, j'ai envie de voir des gens, de sortir, de faire des trucs en fait. C'est plus comme avant où même si je streamais 10 heures, je jouais 10 heures à côté. C'est fini, c'est connerie. Imaginons que c'était un travail plus facile qu'actuellement. Ah ah, bah c'est difficile. Mais je sais bien. Mais oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est des lags? Non, mais dans le type de jeu chronophage, moi, bah, typiquement, quand je joue à Pillars of Eternity là, ou à Witcher, c'est des jeux où je conçois mettre 100 heures plus dedans. Les MMO, je veux plus jamais. Est-ce que ce jeu-là, pourquoi pas? Moi, je pense... Là, on est sur des lacs, là, dans la planète. Après, je pense typiquement, genre de jeu que tu fais une, deux heures comme ça, c'est pas un jeu que tu fais 10 heures d'affilée, je pense. Sinon, tu te fais chier, mais... Tu vois, oh, Monolith. Je crois que c'est genre typiquement aujourd'hui que tu fais du genre un peu de temps en temps, quoi. Par petite dose, quoi. Tu sais, c'est comme Pokémon Go, tu joues pas 10 heures d'affilée à Pokémon Go, sinon tu te fais chier. Ah bah, Pokémon Go, oui, je me suis fait chier, même beaucoup plus vite. Mais mais oui. Non, mais c'est un jeu un ouais, peu... Ouais, du coup, t'as dit, ça, c'est une... C'est un jeu qui est un peu... C'est un jeu qui mélange zen attitude et pourtant, comment dire, la collectionnite. La collectionnite du mongolo. Ah, ça, c'est tellement la pire chose, la collectionnite. Mais c'est la collectionnite, un peu. C'est comme quand tu vois là. Je veux tous les mots. Quand tu tapes 150 fois ton donjon du bouffe-tout pour avoir la panneau bouffe-tout royal, et ben c'est exactement. C'est zéro. C'est ça. C'est un, voilà, c'est un mélange de Flower et le donjon du bouffe-tout de Dofus. Arrête avec ce jeu. Je pense que je vais te biffler là. En live, je vais te biffler. Et du coup, il y a Mato. Est-ce que tu as biffé tout du coup? Et du coup, il y a Mato, t'as pas répondu alors pour toi. Est-ce que tu l'achèterais si t'étais pas streamer? Est-ce que je l'achèterais si j'étais pas streamer? Enfin, ou est-ce que tu comptes pas le streamer? Est-ce que tu comptes l'acheter quand même? Ah non. Je sais pas, c'est pas le genre de jeu ça. Non. Mais est-ce que t'aimes bien Elite par exemple? La base est géniale, mais écoutez, moi, voilà, mon jeu de l'espace c'est Eve Online. Alors vos trucs de gamin, c'est bien. En gros, t'aimes la politique, t'aimes pas jouer quoi. Voilà, moi j'aime la politique, j'aime faire du piratage YOLO, j'aime casser du gros chip T2, j'aime transporter des chips d'une galaxie à l'autre avec mon carrière, ce qui m'a dégoûté du jeu et fait arrêter. Ah merde, inventaire plein. Et là, votre truc de casu, bah, ça me fait sourire, c'est mignon, mais voilà quoi. Mais oui, mais c'est les plaisirs simples. Oui, ça, c'est les plaisirs simples. Un gros joint et tu vas faire joujou dans la galaxie. Exactement. Ouais, c'est sûr. Mais franchement, je préfère limite jouer à merde. Je laisse le titre. Je crois que c'est bon, t'as à 3. Comment il s'appelle là? Celui dont on vient de parler, Elite. Non, Elite Dangerous. Ouais, Elite voilà. Dangerous, oui. Il y a deux écoles. On peut dire qu'il y a deux écoles. Attendez. De petites internets flottants émergent de la surface de la planète immense. J'ai encore mieux comme comparaison nulle. Oh non. Laissez les tétadènes entrer dans le multi. Alors on va faire ça, je crois que ça va améliorer le multi-outil, je pense. Ah. Fuir ou laisser les. Oui, bon. Son ou pire, il est cassé, on est mort, voilà. Il nous arrive quoi de pire? Voilà, une nouvelle technologie. C'est comme si on avait mis un habillage de jeu d'action à O-Game. Oh merde. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est là qu'on parlait, je crois. Voilà, O-Game, machin. Mais oui, c'est ça. Comment il s'appelait ce jeu aussi de merde, de stratégie sur Star Wars, là Battlegrounds? Non, sur un navigateur. Sur un navigateur. Ah putain, c'est bien. Je sais plus comment il s'appelait ce jeu de Star Wars sur navigateur.
T'étais soit... C'est l'angoisse ta comparaison. Ah, il y a un peu de ça, il y a quand même un peu de ça. J'hyperventile. Là on est un peu en train d'imaginer le truc. J'hyperventile. On est un peu en train d'aller farmer du déthérium. Ah oui, pour notre flotte. Et du minerai. C'est une période de ma vie que je voudrais oublier, MV. Là, c'est une sale histoire. Hein. Ah, putain, là, ça serait sympa que t'envoies ta flotte se cracher chez moi pour voir si je vais avoir une lune. Pour une lune, et oui, le pourcentage. Tu veux voir ma lune? Ah putain. Et après, tu pourrais sonder. Ah oui, quel enfer. Lunes, ah, j'en ai fait du game. Ah ouais. On fait les malins, mais on y a toujours. Hein. Incroyable. Alors, enfin, ton vaisseau, c'est un peu la deux chevaux des vaisseaux spatiaux. Ah, ça, mais c'est... Ouais, mais une deux dèches, ça a quand même une classe quand même. Ça raconte une histoire. D'ailleurs, une c'est pour ça que si tu le précommandes, t'as notre vaisseau. Ouais, alors pour faire le tour dans Paris, il y a des touristes chinois, c'est pas mal. Alors hein, qu'une multiplat. Oh là là. La multiplat, c'est moche. Ah bah voilà, oui, mais c'est fonctionnel. Pratique. C'est fonctionnel. C'est très fonctionnel. Tu cherches beaucoup de deutérium dans le coffre du multiplat. Ouais, mais je préfère une deux dèches. Tu vois, c'est une histoire. C'est une histoire. Ah, moi, je suis de l'école pratique. Je suis désolé. Est-ce que tu peux farmer au rayon laser du vaisseau ou pas? J'imagine trop, c'est le mec qui tire sur tous les trucs. C'est une bien ramasse avec un gros sac derrière. Ça serait charmé. Tu vois pas avec le clipping si tu fais des traces. C'est ça. Il faut s'approcher plus près pour voir si tu fais des trous. Ah non, elle est belle. Oh, rentre dans la caverne. Où quelle caverne? Non, je sais pas. C'est un caillou. Non, ça c'est un mur, ça. C'est un caillou. Un gros caillou. Allez, elle est jolie cette planète. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ça fait rien. Non, on peut rien faire. Bah, qu'est-ce mais qu'il non, y a tu vois pas à cause où sont les objectifs? Ah, géoscan. Allez, allez. Il y a un truc au fond, là, il y a un point d'interrogation. Ah, il y en a deux, même. Ça va être trop bien. On a combien de viewers, Rizzo? Mais c'est un désordre, demander ça. 2367. Bon, mais ça va, voilà. Vous pouvez continuer à nous traiter de beauf. Ah, si vous êtes 2300, on vous autorise. Ah bon? Il n'y a pas de problème. C'est terrible. C'est et désactivez Adblock, s'il vous plaît. Oui. C'est pour s'acheter des clés du jeu, c'est important. C'est super important. C'est pour s'acheter la version PC. Un énorme potiron de l'espace. Il y a des trucs là-bas. Tout à l'heure, on avait les tomates démoniaques. Est-ce qu'il peut y avoir de la pluie toxique? Oui. Bah, la pluie radioactive, regarde, c'est de l'acide, je pense. T'es sur une planète qui a de la pluie alcaline. J'aime beaucoup les couleurs du jeu, par contre. Très bien. Honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs du jeu. Par contre, c'est vraiment tout le temps faire ça, quoi. C'est un peu le saut de l'aigle dans Assassin's Creed, quoi. Tu fais ça, tu sais pas pourquoi, mais tu le fais, quoi. Encore un camp de gitan. Il va y avoir une chaise, ouais. Tu pouvais tourner la chaise, s'il te plaît? Ça me trigger, c'est mon ASMR. Ouais, merci. Ouais, donc c'était pas... Le vrai but du jeu, c'est de trouver Charlie. Ce serait tellement bien. Ah, j'avoue. Au fin fond de l'univers, mais je me demande si les mecs, ils ont pas caché des easter eggs, tu vois, genre... Ouais, ça serait genre bien. Genre du gameplay. Genre t'arrives, t'es en train de naviguer, et tout d'un coup, tu tombes sur la planète Tatooine, tu vois. Je sais pas, mais bon, j'ai vu ce que par contre. Faudrait payer droit à LucasArts, mais ça serait marrant. Parce que je sais qu'il y a par exemple, t'as la Terre sur Aid of Jurus, par exemple, tu vois. Oui. Là, juste à côté de la station, on a quand même vu une découpe de texture dégueulasse digne de Minecraft. Oh, respectez Minecraft. Ça se trouve, c'est un easter egg à Minecraft. Mais c'est un hommage. C'est une planète Minecraft. C'est vrai que ça manque un peu de forêt quand même, tu vois. Mais moi, j'aime beaucoup les couleurs. La DA, j'aime bien la DA en fait. Ouais, quelques PNJ. C'est chatoyant et chamarré. Quelques PNJ par-ci par-là, j'avoue, ça serait marrant. Les easter eggs. Genre là, imagine sur cette île, tu trouves George Alan Jones. Ça serait fou. Et qui donne un coup George Alan Jones. Qui donne un coup de pied dans une table. Ouais, et puis tant qu'on y est, on a le présentateur de Cosmos aussi, là. Ah, le Tyson de Grasse. Oui, qui s'est fait traiter de noir par Kerr devant 800 personnes. Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh, c'est terrible. Ah, mais Kerr, depuis qu'il est rouge, il a changé. Qu'est-ce qu'ils ont dit Suicide Squad dans Cult & Click? Alors, il y a Caracare qui a dit que c'était une... Alors, si on le prenait en série B, c'était cool. Et Greg, il a juste dit que c'était nul. Ouais. Moi, personnellement, je suis plus de l'école Greg. Ah, ça a pas l'air terrible. Ah, c'est vraiment si nul que ça? Oh, tout le monde est unanime, hein. Ça a pas l'air si nul. Et là, t'as le journal qui va faire « C'est le meilleur film du siècle !» Il a dit ce black, effectivement. Oh là là. Alors qu'il aurait pu dire cet homme en costard vaguement bedonnant. C'est ça, cet homme à moustache. Cet homme à moustache, exactement. Et donc tu regardes Cult & Click? Bah des fois, ouais. Ah, intéressant. Et du coup, j'ai vu que t'as fait des transitions assez bizarres. Ouais, la reprise de la dernière pause était un peu émergente. J'ai voulu changer un plan sur la preview, manque de bol, c'était la ligne du programme. Merde. C'est le slow clap.
Ça suce Bigby, c'est normal, c'est mon ancien patron, il a potentiellement du boulot pour moi. Ah, c'est ça. Bah moi je suis un mercenaire. Par contre, avant que je m'en aille éventuellement, si vous pouviez m'apprendre la réa sur 15 jours. Compte dessus et bois de l'eau, mon doux. Compte dessus et bois de l'eau. J'avais commencé. Mais du vert, c'est la couleur de l'espérance. J'avais commencé, c'était bien. Ah, ouais, la démo. Donc là, on comprend les mots. Hein. Effrayé, ah. S'il vous plaît, manager, s'il vous plaît. Il a dit deux fois, s'il vous plaît. Ah, bah j'insiste, s'il vous plaît. Je suis passif. À 3000 sulfures, tout ça prend, on est tous fait pareil. Donc j'insiste. Sur le fait que t'es pas si vivant, voilà. Oui, s'il vous plaît. Comme la t'es chanson d'accord, de Squeezie. Quoi 3000 viewers, on se met à poil. La quoi tu connais la chanson okay. de Squeezie. Il a dit OK. Ah non. Rappelez-moi 3000 viewers, on se met tous à poil. D'accord. Ah. Bon, rappelez-moi ces temps où il y avait des chevaliers. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on n'ait pas 3000 viewers avant après, on peut 15 se minutes. Après, ça on c'est peut impossible. Le truc, on peut se mettre à poil. Mais peut-être qu'ils ne verront pas sur la caméra. Ah oui. On peut être à poil et pas dans la caméra. Exactement. Donc, il peut voir Joe jusqu'à la fin. Ah, comme ça, tu vois. C'est pour toi, t'es un peu asiatique, vas-y. Ah, il y a des chiffres. Ah, mais oui, mais regarde, c'est con comme la pluie. Attends. C'est une suite logique. Bah oui. C'est une énigme. Attends. Bah par pitié. 73, hein. C'est ça, non c'est comme... ah, moi, non. je dis rien. Hein. Attends. C'est ça. Non, bah, respectez-vous. Non, attends, remets les trucs. Non. Si, je mettrais le deuxième, moi. C'est comme, c'est comme Picsou oui, Magazine. Oui, c'est 82-73. Ah, bah, bien qu'il décale vas-y. À chaque fois le... Mais oui. À 5 ans, je ah bah, j'ai dit ça, on m'a dit, ouais, vous abusez, machin. À 5000 viewers, on joue à Metal Gear. Voilà. Également, la seule séquence... un lieu. Il se passe quoi là? J'aime pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'estime. Attends, que... et là, je peux plus jouer. Vous hein. avez gagné des bon. Points d'estimation. Attends, si je crève, c'est un scandale. Ah non, ça va. Quoi? Ah non, ok. Alors en fait, il y a le gun. Il y a une ruine. Quoi? Ah, parce quoi que oui. En fait, on le gun est resté sur la caméra alors que c'était une. On dirait un bug en fait. Ah oui, c'est un bug. T'as fait un OB là? Ah non. Bon, on sait où il faut aller. Non, mais pourquoi dès que je touche la manette, j'ai eu 3 bugs déjà. Est-ce que ce jeu sera compatible avec la VR? Est-ce que tu serais le fils de petit avion qu'on le touche softlock? Bon, je suis là. Non, moi j'ai une vraie question. Est-ce qu'il sera compatible VR ce jeu? Je présume. Voilà. Ah, il y a rien qui a été dit. C'est mieux que. Je pense pas. Il s'est pas renseigné. C'est pas une OPSP, y'a pas besoin de chercher. Est-ce qu'on pourrait sucer? Ah, tu travailles que quand t'es supputé. Ah, ouais, d'accord, ok, trop bravo. Viens, on suppute le cul. Mais merde. Ah, tellement de. Tant de techno. Mais j'aimerais bien pirater, on peut pas. Ça si, tant de techno et si peu de construction. Faut qu'on craft. Merci Valou. Non, c'est pas là. Ah, y'a rien. On a la tech, on a le loot, on a la lumière, on a la sono. Il faut y aller là. Putain. Non mais c'est nul ça, on peut pas. Non mais laissez-moi. Ah, ça a été annoncé que non pour la VR. Bon bah je ne sais pas. Oh non, Good Friday, tu pourris le groove de l'empereur là. Prends le vaisseau et va dans les ruines voir. Que... Ça se trouve il y a un vrai donjon, on sait pas. Hein. Ça se trouve c'est juste un putain de monolithe, on sait pas. Non, je crois que. C'est... On va voir. Ça les ça monolithes, ça me rappelle Dead Space. Je pense que ce jeu, c'est, en fait, c'est la, c'est les mecs ils ont copié à outrance Dead Space et Outzer. Entre les monolithes et les geeks avec leur structure du ah, bonne question, y a-t-il un mode daltonien? Bah là, à mon avis, c'est mal barré. Hein. De ce que j'ai vu, c'est mal barré. Motherfuckers. Ah, y a Prodox Gaming qui a confondu Twitch et eBay. Et Le Bon Coin. Pour essayer de 2020, y a forcément quelqu'un intéressé par mon boîtier d'acquis, une nulle. Attends, t'y étais? Non, c'est bon. Rien dit. N'importe quoi. Mais rien à voir avec Dead Space. Mais putain, mais... Oh là là, Jean-Michel, premier degré, enfin... Wouah oh on dirait Monument de Vallée, là. Oui. La Tour de Pise de Montréal. Mulhouse, Syracuse. Incroyable. Jean-Michel Nulangeo, c'était... Eh oui. C'est toute une histoire. Alors. Le mot écho. 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 Ah oui, tout à l'heure, on avait un journaliste des échos, hein, d'ailleurs, en PNJ. Les échos des savanes? Mais oui. Non, toujours pas, bordel de merde. Merde. Allez voir ça. Les données, et on commence à bien tchatcher en Corvax. Hein. Bientôt, on va pécho. Hein. Ah. Étrange monument. Oui. Ok. J'aimerais bien qu'il soit... Franchement, par contre, ce qui serait cool, c'est que, ok, d'accord, il est pas vert à la sortie, mais si la version PC, elle est compatible avec le NVIDIA 3D Vision, je ressors mes lunettes. C'est quoi le 3D Vision? C'est les lunettes 3D sur les moniteurs compatibles 3D, en fait. C'est de la 3D. Ok. Tu sais, c'est la 3D comme à la télé de merde qui sert à rien. Mais dans les jeux vidéo, c'est pas mal. Fais L3 pour s'y pas les trucs à faire on aussi. On n'a pas invité Pierre et Nems. Bah non, c'est pas Minecraft, ça les intéresse pas.
Bon, on a dit que c'était quasiment pareil. On a dit que c'était pas une OP. C'est une OP Spation. C'est ça. C'est les Day One. Souvenez-vous, il y avait une chaîne avant Day One. Il y a eu trois Day One. Animé par Émeric Lallet. Eh oui. Ancien Gameblog devenu. Le seul et l'unique Émeric Lallet. Oui. Est-ce que je serais là dans MTSTP? Absolument pas. Franchement, moi je dis un Metroid Prime avec cette DA, je signe direct. Moi, juste Metroid Prime, moi je signe direct. Hein. C'est vrai. Mais bon, Nintendo supprime plus des jeux qu'ils en font, lol. Ah, je suis ravi. Ah, il est content, hein, Brie Forest. On l'a dit, il a de l'argent, finalement, il est venu jouer à gratter des champignons c'est pour vrai, nous Luch. Faire. C'est vrai, ça, il m'a ça payé un café en plus. Mais c'est ouais. Quel... quelle honte, hein. Un café, mais tu sais combien ça représente d'heures sur la télé Pokémon? À 20 cents. Quand c'est payé. Quand c'est payé. Quand c'est payé. Quel enfer. Quand c'est payé. Kaoru, si tu nous écoutes. Ouais, je t'ai payé deux clubs. C'est vrai. C'était un peu ton OPSP du jour. Putain, j'étais saucé. Un nouveau Metroid 2D. Gros budget. Voilà. Mais t'as des frites si tu veux. Ah, c'est avec un pote. Des frites froides. Putain, c'est un pote à cheval sodomie qui a apporté les 30 trucs chipotelés. Ah. Oh mais non, mais c'était à nous qu'il fallait les apporter. C'était un mec d'Ilag, non mais je l'ai vu en plus. Oh, mais moi j'ai vu qu'il m'a regardé d'un air taquin. Parce qu'il y a un chipotelé qui ouvre à Levallois, à SOS. Ah, ouais. Ça n'intéresse personne, mais je le dis. Et oh, donc ils sont venus payer 30 burritos à l'accueil de Webedia pour dire « Hey, on est là, venez bouffer chez nous. » On est sympa. Ouais, mais c'est un peu loin, SOS, malheureusement. Oh. Il aurait fallu qu'il ouvre côté Neuilly, le chipotelé. Oh, le mec. C'est bien, chipotelé, d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup. C'est quoi, chipotelé? C'est des burritos. Et burritos. C'est des bons burritos. Ouais, ouais, franchement, ouais. Je sais pas, je connais rien en burrito. Ouais. Il y en a un, comment ça s'appelle? C'est où, là? Richelieu de Rue, non? Il y en a Richelieu. Aucune, je connais zéro Paris, burrito. Eh bien, on ira se faire un petit burrito, toi et moi, en tête à tête, en amoureux. Voilà. Ah merde. Y'a plus de carburant, casse des météorites. Est-ce qu'il y aurait pas. Voilà, j'ai des trucs. Moi, je pète rien, moi, je suis un mec sympa. T'es un mec sympa, d'ici là. Celui-là, tu peux. Celui-là, tu peux. C'est abusé. Vas-y, va à l'intérieur. Rampe dans eux. Je peux pas me poser. MV, je peux pas me poser. Ah, oh, c'est terrible. Putain, voilà. C'est beau la PS4. Hein. C'est beau. Hein. Incroyable. Bon, par contre, sur Xbox One, ça serait à 15 FPS. Hein. 15 FPS sur Xbox One. Ah, il y a un comptoir commercial. Ouais, bah, la directrice, c'est nul à chier. Mais je vais vendre des trucs, je suis plein. Je suis full. Hein. Oh. Comme ça, quand tu y joueras tout seul chez toi parce que tu vas récupérer le jeu, t'auras plein de thunes. Mais moi, je demande le jeu sur PC, je me respecte. T'es jamais content. C'est à qui qu'il faut le demander d'ailleurs, qu'on gratte des clés toi et moi? Moi je pense qu'il faut demander à Trunks. Ah, on va demander. Non, mais Trunks il fait chier, il va dire oh, on va commander sur Amazon, on va dépenser de l'argent, il est fou. Il vit au-dessus de ses moyens. Ou alors on demande à Sony une clé PC. Je pense pas que ça passera, tu vois. Ouais. Bonjour Sony, il y a une clé PC s'il vous plaît. Quoi? Ah. Oh c'est my pas... god, la dope de l'univers ce game. Ah. Ça fait des commentaires constructifs. Vu qu'on parle de Chipotle et de tout ce qui n'a rien à voir. Même aujourd'hui, il y a des fans de karaté. Il y a un fan de karaté qui est aux Jeux Olympiques. Il s'appelle vraiment Gouac? Il s'appelle vraiment Gouac. Ah, merde. Très bien. Oh, c'est génial ça. Ouais, ça, c'est des moments cool en stream où du coup, t'as rien à faire, où tu dis alors. Alors, une phrase très bonne sur le chat voilà, qui dit ce jeu, c'est un peu comme Skyrim, dans 4 ans, on se retrouve à se faire chier avec GE2 entre midi et 2. Allez, alors, c'est Oblivion, c'est pas Skyrim. Déjà. Donc, dans 10 ans, ça n'a rien à voir. Donc, dans 10 ans, on se fait chier avec. La blague, le concept de la blague était très bonne. Voilà, ça manquait un peu d'exécution, mais c'était beau. Allez, dissident. Voilà, je reviens dans un stream anglais, le chat est calme et fan mais du jeu. Reviens, mais fuis. Je reviens sur un chat français. Mais fuis pour ça insulte fou. Et ça crache. Tain, retourne sur le stream anglais. Retourne-y. Ah, moi j'aime bien le pff à la fin. Le souffler, comme on l'appelle. Je suis fatigué. Fatigué d'expliquer. Utopiste debout. Le délirique en stock. C'est délirique en stock. C'est Zelda's Wind Waker dans la semaine. Oh, j'étais en vacances, c'était bien. Je suis revenu, bah c'était plus les vacances. Oh, pfff. On peut plus. Oh, on est désolé, le prends pas pour toi. Mais non, mais c'est pour rigoler. Le prends pas pour toi, mais c'est non, pour rigoler. En plus, on a dit plutôt que le jeu, en fait, c'est un jeu de stream, c'est un jeu d'ambiançage. On est là, on est posé. Mais c'est vrai que dans l'optique
d'en dire des choses et de montrer ses possibilités de gameplay. Bon, voilà, c'est un bon jeu. C'est un jeu d'ambiance. C'est plus facile quand on est seul. Ah, ça demande, des clés. Oui, tweetez GigaEtienne qui vous offrira des versions en PS4, évidemment. Alors, GE2, il est moins 5. Bah, on parle au Corvac et on arrête là. Donc, notre aventure va bientôt toucher à sa fin. C'est long. Je vais essayer d'arrêter de gueuler, Guacan, je suis désolé. Alors, Corvax, énergie, serrez la main. Il veut de l'énergie, vas-y. Mais toi, t'es humain ou t'es notre race bizarre ? On sait pas, en fait. On sait pas. Hein. C'est vrai. T'es laissé à l'appréciation personnelle. Notre avatar. Une technologie. Un indispensable procédural et une ambiance à 60 boules. C'est comme ça qu'on peut résumer le jeu, en finale. C'est incroyable. C'est incroyable, l'estime est augmentée. On va enfin voir les pubs. Oh, pff, les pubs. Ah, le terminal week-end. Ah, vendre des trucs nuls. Ah non. Non. Ah, c'est peut-être plus précieux que la souris. C'est pas clair ce que tu fais. Ah, Gekou, une place à Verdier là, non. Non. T'es parti. Putain, le faire, ça va cher. T'as lancé un mouvement, là, t'as lancé quelque chose. MV, ça va être terrible. Le fluide de suspension. Mais oh, finalement, on n'aura pas réussi à te dégoter un autre coucou. Est-ce que tu peux racheter du liquide à frein pour ton vaisseau? Et il faut changer la vidange aussi. Et vérifier les plaquettes également, c'est super important. Ah, j'ai eu un trophée. Ah, encore un trophée d'or, la douche dorée de retour. Et là, maintenant, je peux acheter des trucs, du coup. Je suis sûr. Hein. On n'aura pas trouvé un autre coucou. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. 186 000 unités. Verdier, es-tu là ? Bah oui, il est rentré chez lui, il est en train de préparer. Meurs pas sans ton sbuff. On remet la webcam et mettre des. C'est ça. Mettre la webcam et des assets nuls dans son XSplit. Grosse préparation. Alors qu'on aurait pu faire une petite émission plateau de derrière les fagots, mais non, monsieur. C'est son émission. Je vais streamer dans mon appartement. Il y a un gros vaisseau. Ah, j'aimerais bien avoir lui, il a l'air bien. Ah. Voilà une belle conclusion. C'est social, voilà une fin sociale. Social. Voilà. Entrepreneur aussi. Alors je sais pas s'il est auto-entrepreneur. Ouais, auto-entrepreneur. Comme ça, tu parles RSI. T'es pas prêt d'avoir ton deuxième vaisseau. Mon petit bonheur. C'est Kaoru qui fait les virements. Oh non. T'en fais pas. Au début, c'est bien. C'est la vie, ne pleure pas. Allez, la Verdier. Oh là là. Ah, Yoann Verdier est présent. 1 million, c'est raisonnable. On a 186 000, c'est pareil. C'est pareil, tu mets un petit zéro et c'est bon. Putain, seulement j'avais incroyable. La carte de la boîte. Ah, et lui. Ah, le joli vaisseau. Je pense que c'est pareil, hein, lui, comment il est gros. Il fait un peu bus. Moi, je dirais au moins 900 000. Bus de l'espace. Bus magique. Carte scolaire. Faire une offre. Moi, je dis 900 000. Tu dis combien? Ah, bah, le million. Presque le million, quoi. Presque Charles Million. Bon ben voilà, bon, je crois que c'est incroyable. Hein. Voilà, c'est 6 heures de stream sur No Man's Sky, un jeu époustouflant. C'est ça. Qui ne laisse pas indifférent. Une explosion de saveur. Voilà, une explosion de saveur. Un jeu qui ravira les petits et les grands, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà, un jeu qui appelle à la réflexion. C'est ça. Tout en prenant du recul. Un jeu pour les plus jeunes. Un jeu pour les tout petits. Un jeu qui ne prend pas le consommateur pour un idiot. Ah non. Ah non, loin de là. Loin s'en faut. Loin sans l'autre. Bah du coup, on se quitte. Je pense qu'il est bien après une longue journée de travail. Je pense que ouais. Après une petite journée de travail, c'est pas mal. 6 heures, c'était trop effectivement, mais je pense qu'il ne fallait pas que vous restiez 6 heures devant le stream. Le but, c'était que vous passiez, vous fassiez votre avis, et quand vous avez assez vu, vous vous cassez. Bien sûr. Nous, on s'est sacrifié, on a streamé 6 heures, c'était très long, mais c'est pour le bien commun. For the greater good, comme on dit chez les taux. C'est ça. Bien évidemment. Bah sur ce, vous retrouvez Verdier dans 5 minutes et voilà plein de bisous. Merci de nous avoir suivis, hein, des bisous. Allez, des bisous à tous. Hein. À bientôt sur la JVTV. Sur la JVTV. Avant, on était sur Gaming Live et là, il y a JVTV. Ça a changé. Hein.